Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer la cérémonie complète qu'il y a eu sur France RP pour le 8 mai. Voilà, alors je vous avais mis, pour ceux qui suivent un petit peu la série d'Anthony Cruchot, je vous avais mis l'épisode où il y avait un petit peu de cette cérémonie, mais je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous mettre tout en entier. Comme ça pour ceux que ça intéresse de voir en entier, bah vous pourrez voir. Puis voilà, faut savoir que j'ai crash aussi à un moment donné pendant la cérémonie, donc peut-être qu'il y aura des moments que j'ai loupé. Je sais aussi que la vidéo je la sors en retard et j'en suis navré, mais je pouvais pas faire autrement. Bref, c'est une petite vidéo en plus pour ceux qui veulent. Également le serveur RP France RP du coup est dans la description. Mon serveur Discord aussi communautaire est dans la description. Ne vous trompez pas quand vous rejoignez parce qu'après bah, ça fait des petits cafouillages. Puis en plus vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, bah n'hésitez pas. Le petit commentaire également, mais ça c'est comme vous voulez. En tout cas j'adore les lire et y répondre. Et puis sur ce, bon visionnage à vous tous. En avant. Marche. T'en fous ta gueule. Gendarme de France, soldat de la loi, connétable et maréchaussée. Gendarme de France, soldat de la paix. Oh, c'est trop stylé, regardez! Oh là là! Service de l'ordre et de secours de la région Île-de-France, à mon commandement, garde-vous! Présenté. Armes! Caporal de la Tour, la Marseillaise.
déposé. Ah ! Bonjour à tous et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce 8 mai 2024 afin de fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mesdames, messieurs, les procureurs, vice-procureurs, messieurs et mesdames, les militaires de la gendarmerie, mesdames, messieurs, les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, les membres du service d'urgence, mesdames, messieurs, les policiers municipaux et nationaux. En ce jour solennel, nous nous remémorons les sacrifices et le courage de millions d'hommes et de femmes qui ont lutté pour la liberté, la paix et la dignité humaine. Nous rendons hommage aux valeureux combattants qui ont consenti l'ultime sacrifice, ainsi qu'aux survivants dont la vie ont été irrémédiablement marquées par cette épreuve. Le 8 mai 1945 a marqué la victoire des forces alliées. C'est également un rappel poignant de la résilience des peuples, unis dans leur détermination et préserver les valeurs fondamentales de la liberté et de la démocratie. Aujourd'hui, nous portons nos cœurs à la mémoire des disparus et des survivants, témoins vivant d'une époque marquée par l'adversité et la résilience. Leurs histoires sont des leçons précieuses sur la valeur de la paix, de la solidarité et de la tolérance. En commémoration de cette journée historique, engageons-nous à préserver l'héritage des générations passées en construisant un avenir où les différences sont respectées et le dialogue prévaut sur le conflit. Œuvrons ensemble pour un monde où la paix et la justice sont des réalités pour tous. Que la lumière de la mémoire continue à illuminer nos vies et à guider nos actions vers un monde meilleur, en souvenir de ceux qui ont tant donné pour que nous puissions vivre libres. C'est maintenant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris déposer les gerbes au pied de l'Arc de Triomphe. Caporal de la Tour, la musique aux morts. Maintenant, place au poème commémoratif pour honorer les héros et les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Dans le calme du matin, sous le ciel azuré, nous nous rassemblons pour ne jamais oublier les héros qui ont combattu avec bravoure et foi, pour défendre nos valeurs, pour protéger notre loi. Sur le champ de bataille, dans les mers déchaînées, ils ont fait face à l'horreur sans jamais reculer. Leur courage inébranlable, leur détermination, ont forgé notre destin, ont marqué notre nation. Parmi les ruines fumantes, parmi les larmes versées, les victimes innocentes, les vies brisées, nous portons dans nos cœurs leurs souvenirs précieux, comme une femme sacrée, un hommage silencieux. Le 8 mai, jour de mémoire et de réflexion, nous honorons leurs sacrifices, leur dévotion. À travers les âges, leur héritage persiste. Un rappel solennel de l'importance de la paix qui persiste. Que leur nom gravé dans le marbre du temps rappelle à jamais leur courage éclatant. Et que notre engagement, en ce jour solennel, soit de bâtir un monde meilleur pour eux éternel. Caporal de la Tour, le chant des partisans. Thank you.
procureur à prendre ma place pour son discours. Bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux héros et héroïnes qui ont bravement défendu notre pays et notre continent. Nous nous inclinons devant ceux qui ont combattu pour la paix et la justice, souvent en péril de leur propre vie. Leur détermination, leur courage et leur sacrifice sont un exemple intemporel de dévouement à une cause juste. Mais cette commémoration n'est pas seulement une rétrospective, c'est aussi un appel à l'action pour l'avenir. Nous devons perpétuer l'héritage des générations passées en protégeant et en défendant les valeurs qui ont été chèrement acquises il y a plus de 7 décennies déjà. La paix, la tolérance et la coopération entre les nations doivent rester nos principes directeurs. En ces temps d'incertitude et de changement, il est impératif de nous souvenir des leçons du passé. La solidarité, le respect mutuel et la recherche d'une solution pacifique aux conflits sont des impératifs moraux que nous devons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. En ce jour de commémoration, réaffirmons notre engagement envers un avenir où la paix règne en maître. Gardons vivante la mémoire de ceux qui ont tout donné pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Je vous remercie. Je vais passer directement au message de conclusion au vu des incidents que nous rencontrons. En ce jour chargé d'émotions, alors que nous clôturons cette cérémonie commémorative du 8 mai, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères remerciements à chacun d'entre vous qui avait honoré la mémoire de ceux qui ont combattu et sacrifié tant pour notre liberté. Nous avons ensemble rendu hommage aux héros et aux sacrifices et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, rappelant le courage et la résilience de ceux qui ont bravement affronté l'adversité pour défendre nos valeurs communes. Cette cérémonie nous rappelle l'importance de préserver la mémoire collective afin que les leçons du passé continuent à éclairer notre chemin vers un monde meilleur. La paix n'est pas un acquis définitif. Elle nécessite un engagement constant envers la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle. En concluant cette journée de commémoration, engageons-nous à perpétuer l'héritage des générations précédentes en promouvant la justice et en luttant contre toute forme d'intolérance et de discrimination. Les héros et des victimes de la Seconde Guerre mondiale restent gravés dans nos cœurs et nous aspirent à bâtir un monde où la paix règne en maître. Je remercie tous pour votre présence, votre engagement envers cette noble cause. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où la liberté et la dignité humaine sont inégalables. Vive la paix, vive la France et vive la République. Marche !